pense à la lumière, je pense à l'eau, je pense à la vitalité en fait. Le musée vital, le musée de vitalité. Bien entendu, c'est une source d'émerveillement, de délectation, de plaisir. Au musée, on se fait plaisir, c'est quand même très important. On est un peu comme une personne en voyage, un explorateur, et plus on va être enrichi de connaissances, de découvertes, et moins finalement on va savoir, et plus on devient humble dans la vie. Alors l'inspiration, c'est inspirer, c'est chercher le souffle. Ce musée est très aimé, je pense, parce qu'on expose plus de 8000 animaux. Donc c'est un musée généreux, les gens aiment voir les animaux. On est moins conceptuel. Les musées aujourd'hui, en fait, sont totalement connectés à la société, je crois, sont prêts, et invitent les publics à partager des réflexions, à agir ensemble. Aujourd'hui, il faut vraiment changer notre rapport que l'humanité a avec la nature, avec les éléments, cette nature puisée, cette nature ressource. Je crois qu'il faut passer à un moment où la nature, elle a le droit d'exister pour elle-même et il faut chercher la bonne connexion, évidemment, pas régresser, mais chercher une connexion plus harmonieuse, moins polluante. On vient de développer un espace qui s'appelle Agir, c'est tout naturel, qui est un lieu en fait de rencontre tous les mercredis et les samedis au muséum pour tout le monde, grands, petits, familles, où en fait on accompagne les publics à s'équiper autour des enjeux climatiques et biodiversité.